Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Je vais l'appeler sans doute avion de chasse versus voiture sportive. Nous sommes bien sûr sur Top Fun 2, un mode de jeu qui est vraiment excellent. Vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Vous savez comment ça se passe. Alors, on va mettre le midi, beau temps. Hop, on confirme les paramètres. J'invite les gens qui sont dans la session. En fait, cette vidéo, je la fais un petit peu à la suite du match de paintball, parce que pour ceux qui veulent savoir, en fait j'enregistre souvent mes vidéos à la suite, c'est à dire dès que je fais une vidéo j'aime bien en refaire plusieurs, comme ça au moins j'ai un stock, et au cas où si durant la semaine au niveau de la santé ou du moral etc ça ne va pas trop, et bien au moins je sais que j'ai des vidéos en stock, comme ça je peux pas vous dire ah merde j'ai pas de vidéo à vous proposer, désolé il y aura pas de vidéo, je préfère faire ça que voilà être en manque de vidéos. Et là en fait ce soir nous sommes le aujourd'hui on est le 31, mais il est 2h du matin, en gros on est encore dimanche soir pour moi, et c'est la quatrième vidéo que je tourne, parce que je tournais la FAQ, j'ai tourné une vidéo de course pour ceux qui veulent savoir, celle-ci, et un affrontement, et puis voilà, en espérant que ça se passe bien pour ceux qui veulent savoir comment qu'est-ce que ce mode de jeu. Vous allez voir tout de suite. J'en avais fait une vidéo à l'époque avec Mika, qui est I'm Kent, au tout début de GTA Online. En gros, c'est dans le 2, bien entendu. Ah bah voilà, on est notre équipe, c'est parfait. C'est des avions de chasse. Là, c'est contre des voitures super sportives. Pardon. Le Top Fun 1, c'est contre des motocross. Mais avec les motocross, c'est un peu plus compliqué à tuer. En fait, avec les voitures, c'est plus facile à défoncer en tant qu'avion de chasse. Du coup, j'ai préféré faire celui-ci, mais si vous voulez voir le 1, il n'y a pas de problème. Par contre, durant cette vidéo, il y aura, c'est-à-dire, deux rounds. Le premier, c'est quand on est, par exemple, comme maintenant, des chasseurs, c'est-à-dire qu'on aura l'avion de chasse, et il y aura le round où on sera trafiquant, c'est-à-dire que la voiture. Voilà. En gros, c'est une petite vidéo. Vous me direz si ça vous plaît, si vous voulez des épisodes toutes les deux semaines, pourquoi pas, bien sûr, avec des abonnés différents, qui sont de membres de crew différents, parce que là il y a du Coty crew, il y a du Bistou Bista qui est mon petit crew privé, et il y a aussi du crew Coty. Voilà, il y a un petit peu de tout le monde, en espérant que personne ne te tape dessus. Petite astuce, hein, si vous faites comme vous voulez, mais moi je vous en donne une, c'est tout simplement de garder les roues. En fait, quand vous êtes comme ça, vous allez beaucoup plus vite, vous voyez. Vous voyez la différence de vitesse que vous pouvez avoir. En fait, là, quand on a les roues, c'est pour amorcer une descente, et du coup, il va moins vite. Et pour ce mode de jeu-là, faut pas aller trop vite non plus, parce que sinon, c'est assez, assez galère. Et puis, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Là, c'est un petit peu galère, sachant qu'on est tous collés au niveau des avions de chasse. Allez. Ouh putain, j'ai failli viser mon collègue. Attendez, je vais partir plus loin, moi. Ouh putain, ouh. Oh putain, j'ai eu chaud. J'ai vu la mare arriver. Putain, j'enlève les roues pour aller plus vite, pour rattraper, voilà. En fait, faut surtout attendre une voiture. Oh, j'ai peur de viser. Ouh, ouh, GG, Mika. Mika est chaud. Il est chaud, chocolat. Ouais, il a fait une petite triple feed. Depuis tout à l'heure, il joue mal. En fait, on a fait quelques parties pour s'entraîner. Depuis tout à l'heure, il joue mal. Et là, ça y est, on fait une vidéo et il est super méga chaud. J'ai du mal, moi aussi. Parce qu'il faut savoir que l'avion de chasse, c'est assez difficile à diriger, surtout quand vous devez faire plein d'allers-retours. Merde. Allez, allez. Ouh, punaise. Et nous, on est en train de se battre comme des... Ah, je l'ai eu. Voilà, voilà. C'est super. Allez, on fait un atterrissage à l'envers. Eh bien, non, vous le verrez pas. Voilà. Premier round, on l'a gagné. Hein, en espérant, que au mode trafiquant on va réussir aussi. Ouh, sexy chocolat avec son petit casque de d'aviateur, si on peut dire ça comme ça. Allez, là ce qui est bien, c'est vu qu'il y a que des abonnés et qui savent la procédure, ils votent tous rapidement. Hop, on fait rejouer, et c'est ça qui est bon. Ah oui, comme vous savez, tout est bon dans le cochon, même si je monte pas de porc, c'est ce que tout le monde dit.
Ouais. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est porc. Vous devez placer porc dans un commentaire. Parce que la vidéo sera assez courte. Ce genre de vidéo, c'est vraiment pour savoir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah, on en fera plusieurs. C'est-à-dire, on fera le top fun 1, le 2 et le 3 dans la même vidéo. Bah, c'est vraiment pour savoir que si, je ne vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes si ça vous plaît pas. Certaines personnes me disent que mes vidéos sont parfois un peu plus courtes que d'habitude. Bah, j'essaie de varier un petit peu. Sachant que si je fais ce mode de jeu pendant une heure, bah, ça va être chiant, hein. Et bah, la FAQ elle dure 30 minutes généralement. Quand je raconte ma vie, ça dure 40 minutes. Quand mon planning dure 10-15 minutes, il y a des vidéos avec les abonnés qui durent 30 minutes, d'autres qui durent 10. En fait, faut varier un petit peu, hein. Je sais que des personnes sont assez crispées quand ils voient qu'une vidéo est assez courte. Je suis désolé, mais il en faut pour tous les goûts. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas forcément le temps. Surtout que je poste une vidéo par jour, c'est vrai que je vous demande beaucoup de temps. Hein, je viens de penser à ça en espérant que Nice Chou va réussir à se connecter, ça serait bien. Je parle beaucoup, hein, je sais, excusez-moi. D'ailleurs, je vais prendre une petite gorgée de coca. Vous pouvez faire de même chez vous. Si vous n'en avez pas, bah, prenez quelque chose qui est équivalent. Boire du coca chaud, c'est vraiment mauvais, mais bon, c'est juste pour. Humidifier ma bouche, on peut dire ça comme ça. Alors, mon signe vital, je fais un bisou moi, tout le temps. Ah non, moi je fais un bisou. Que moi je suis un mec. Oh merde, je ne peux plus faire mon bisou. Je suis très romantique. Si vous pensez que je suis pas romantique, n'hésitez pas à écouter mes hontes et autres. Parce que franchement. Allez, alors s'il vous plaît, que ça bug pas. Après, vous pouvez bugger, voilà. Après, ça peut bugger. Mais là, je veux pas que ça bug. Alors je prends. Oh, je prends la noire. Allez, stylé. Allez pour moi. De toute façon, c'est moi qui l'aurai. Allez, un petit peu décapotable. Allez, c'est parti. Pourquoi il arrive à aller plus vite dans sa voiture? Il va prendre la droite ou à gauche? Ouais, je savais. Enfin, quand je dis droite ou à gauche, il prend jamais la route. Michael aime pas prendre la route que nous donne le plan. C'est pas plus mal parce que le but étant d'être. D'être dispersé hein, pour faire chier ceux qui essaient de nous chasser. Ouh, je l'ai bien dit pour une fois. En fait, tout à l'heure, il a fait une trip parce que bah, justement, ils étaient tous collés, il me semble. J'ai pas trop fait attention, mais ouais, je pense qu'ils étaient tous collés. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que je n'ai pas beaucoup de son dans mon casque. Et il faut avoir du son dans ce mode de jeu parce qu'on a besoin de savoir si une personne est proche ou non. Faut parfois passer par les petites routes. Hein. Ah oui. Faut parfois faire le petit loup. Parce que si vous restez dans le grand axe ou dans la grande avenue, ah là c'est sûr qu'ils vont vous exploser. Hein, comme un petit rat. Alors que si vous passez, voilà, vous perdez plus de temps, je vous l'accorde, mais en même temps, vous prenez moins de risques. Ouh, punaise! J'essaie de me le faire avec le C4. Oh zut! Oh shit! Not good! Comme dirait le commerçant. Allez. C'est mon rêve ça! D'être en voiture et d'exploser un avion de chasse avec un C4. Ça serait juste méga, 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 méga stylé. Je pense que. Moi je passe tout droit, parce que je préfère passer tout droit. C'est seulement après. Voilà. C'est seulement par là que je coupe. Parce que ça. Les gens s'y attendent pas forcément. Et moi je préfère parce que je trouve que c'est une route beaucoup plus sûre. Il m'a défoncé. Ok, à court de vie, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la partie? Par contre, je pense pas qu'il a lancé une. Je pense pas qu'il a lancé un missile. Voilà, c'est quoi ce bug? Ok, il est en train de voler. Je ne pense pas qu'il ait lancé de missile. Je pense qu'il a plus utilisé sa mitraillette. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent d'utiliser sa mitraillette. Il faudrait le faire. Ouais, c'est bien ça. Oh bah, GG Alcalo. Hein. Là, il nous a épatés. Il nous a vraiment épatés. Oui, monsieur. Oui, madame. Merci. Merci. Applaudissements. C'est vrai que j'ai pas tenté de jouer comme ça.
Mais pourquoi ils ont des trucs d'aviateur et pas nous? C'est pas possible. Allez, on s'en refait une dernière parce que faut bien désigner le vainqueur. Pour l'instant, il y a un partout, c'est premier à 3. Enfin, à la base, c'était premier à 2, Bah mais vu qu'il y a plus. égalité, eh bien, il faut voter pour le finish. En fait, c'est l'alcool qui a tout fait, quoi. Allez, Raden, il faut voter. S'il te plaît. Sois gentil. Si tu votes, tu auras Kinder Surprise. Je sais que t'aimes ça, les Kinder Surprise. Allez, Non, vote. non, je Dépêche-toi. t'envoyais un message, je m'en doutais, je pense. Ah oui, il faudrait que je fasse un jour Oh, l'affrontement, l'affrontement, labyrinthe, ouais. qu'il est pas mal. On m'a aussi proposé souvent de faire du labyrinthe. Je pense le faire, mais il faut juste que je trouve les abonnés avec qui le faire. Parce que je veux que ce soit loyal, en fait. Je sais que si je demande à des personnes d'enlever le GPS, ça peut se faire. Mais il y a des abonnés qui le feront pas, qui tricheront, donc c'est un peu dommage. Par exemple, je sais que Mika ne trichera pas, Alcalo non plus, parce que j'ai confiance en eux. Après, il faut que je trouve d'autres personnes avec qui le faire. On verra ça quand faudra. Et c'est parti pour la dernière Bah, manche. On verra. Logiquement, ceux qui ont. Oh, tout à l'heure, on avait fait quelques parties et même quand on était en mode trafiquant, nous, on avait réussi à gagner, hein. C'est juste là qu'il a eu un coup de génie. Mais celle-ci, c'est la dernière. Comme ça, la vidéo va durer à peu près 15 minutes, si je dis pas de bêtises. À part si on se plante dès le début. Ce qui peut arriver. Hop, voilà. Go, go, go. J'ai envie de lâcher un rototo. Excusez-moi. Hein, c'est pas de ma faute. Oui, c'est pas de ma faute. Moi, personnellement, quand je bois du coca, je rote. Tout de suite. C'est instinctif. Hop, je le mets en mode jouer. changement de plan, Et tu vois, j'ai pas le temps de faire mon bisou. À gauche, elle est en train de bâiller. Elle est peut-être fatiguée, je sais pas. C'est vrai que là, maintenant, il est 2h30 du matin. Jamais compris pourquoi il y avait une voiture à côté, quoi. Voilà. Le premier avion est à Lyon. J'ai dit. Là, en fait, le mec qui est derrière moi, là, pourrait tirer pour me tuer. Ça m'est déjà arrivé, une personne comme ça. De faire ce mode de jeu qu'une personne me tire dessus et que je meurs direct. Ça m'a fait mal au cœur. Allez. On y va. Concentration. Attention, 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 attention. Bon, c'est pas grave, moi je vais me prendre ceux qui sont plus loin, parce que c'est les plus dangereux. Mais ils vont vite quand même. Anaïs ne sait pas piloter un avion. C'est pas grave. Il va prendre un jour. Au moins, t'es voilà, tu tutoies. Ok. Mais c'est pas possible! C'est quoi ces roquettes qui ne touchent pas leur cible? Oh putain, là c'était une belle course-poursuite. Hein. Franchement. Bon, ok, je vais tuer personne. Mis à part ça, je trouve que c'était assez stylé. Oh punaise! Ouh! Voilà, on s'est tué. J'ai esquivé la mort, mais j'ai pas pu tout esquiver non plus. Ah, on est mal parti pour gagner. Mais c'est Mika, on compte sur lui. Peut-être qu'avec un coup de génie, il va réussir à. Il reste combien de tuyaux? Enfin, je peux pas voir, il reste combien. Non, je peux pas. Ah, si, voir un classement. Ok, il y a qu'une personne qui est morte dans leur équipe. Ça va être très. Très chaud. Mais pourquoi il fait un looping? Ok, ça peut être stylé. Hein. À lancement, vue. Il n'y a pas une meilleure vue quand même. Parce que là. Ah ouais, là c'est une vue stylée. Allez, tu peux l'avoir. Vas-y mon chou. Nous te regardons tous. Montre-nous ton skill. Ouais, mais des fois les missiles, c'est vrai que la mitraillette, en plus, vu que c'est des voitures, on a juste à tirer un chouïa. Et avec un chouïa, bah tout va bien. Je sais pas ce qu'il y a en bas. J'ai vu qu'il y a d'ailleurs, on dirait un petit terrain bizarre. Ah, mais ça va être assez dur de la gagner parce que là, normalement, ils sont arrivés pratiquement au point de rendez-vous.
qu'on arrive dans cette partie de Los Santos. C'est qu'on n'est pas très loin. Là, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Faut freiner un tout petit peu avant. De toute façon, on va avoir le pont. Allez, allez, allez. On croit en toi. Tu es notre champion. Bah oui, t'es notre champion. Allez. Il en manque plus que deux. Dont un qui est assez loin. Voire deux qui sont assez loin, pardon. Y a pas moyen de... Non, y a pas moyen de... Je veux dire de... De voir la carte en plus grande. J'ai essayé de faire deux fois flèche du bas. Mais ça ne veut pas. Ah oui, ils sont partis pour faire leur truc. Ah, il y en a un qui est là. Allez. Tout est possible. Allez, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Moi, si ça serait le dernier, j'aurais foncé dessus, je m'en fous. Suicide, on meurt tous les deux et advienne que pourra pour résultat. Pour moi, ça aurait fait un beau finish. Freine un petit peu. Oh là là. Ça donne un petit peu la gerbe. Hein. Ok. Ok. Ok, bah, il s'est suicidé en même temps que Alcalo et rejoint le pont. Bon, en plus, ils ont gagné en tant que trafiquant, donc ils ont gagné ce match. Bah, félicitations à eux. Faut que je retienne leur solo pour dire bravo à eux. Attendez. Bravo à Youssef Forest, Lazy, Crazy, Relen et Alcalo. Bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Hein. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Salut!